Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier la modélisation mathématique de la cinétique enzymatique michaélienne. On va décrire l'équation de Michaelis-Emmeltens. Alors, cette équation est une expression mathématique décrivant les paramètres cinétiques d'une réaction chimique catalysée par une enzyme michaélienne. Pour établir cette relation, Michaelis-Emmeltens ont proposé, comme nous avons vu, un mécanisme réactionnel qui comporte deux étapes et qui fait intervenir le complexe enzyme-substrat. Donc, vous avez l'enzyme plus le substrat, va donner un complexe enzyme-substrat et le complexe va ensuite donner le produit et régénérer l'enzyme avec les constantes de vitesse K1, K2, K3 et K4. Alors, toujours pour établir le modèle mathématique, Michaelis et Emmeltens ont émis des hypothèses simplificatrices. Alors, ils ont dit que la formation du complexe enzyme-substrat à partir de l'enzyme et du substrat est une étape qui est très rapide. Alors que le passage enzyme-substrat donne le produit et régénère l'enzyme est une étape lente. C'est donc celle qui va déterminer la vitesse de la réaction. Et que la réaction se déroule dans des conditions initiales, c'est-à-dire au tout début de la réaction, quand les concentrations en produit sont faibles ou inexistantes. Dans ces conditions, la réaction retour, c'est-à-dire la formation du complexe ES à partir de l'enzyme et du produit, est négligeable. Donc la vitesse initiale de la réaction, qui est égale à D2P sur D2T, est égale à K3 fois la concentration du complexe ES moins K4 fois la concentration de l'enzyme fois la concentration du produit. Alors nous avons dit que la réaction retour est négligeable, donc la vitesse initiale de la réaction dans les conditions initiales est égale à la constante 3 fois la concentration du complexe ES. Donc cette constante 3 est la constante catalytique de la réaction. Alors si on reprend la théorie de l'état stationnaire, nous avons vu que durant cette phase, la concentration du complexe ES en fonction du temps est constante. Donc mathématiquement, cela se traduit par D2S sur D2T est égal à 0. C'est-à-dire que la variation de la concentration du complexe ES en fonction du temps est nulle. Donc la vitesse de formation du complexe ES est égale à la formation de disparition de ce complexe. Donc étant donné que la concentration en produit est nulle ou faible, la vitesse d'apparition du complexe ES par réaction entre E et P est négligeable devant celle entre E et S. Alors toujours dans le cadre des hypothèses simplificatrices, l'enzyme est mise en présence d'excès de substrat. C'est-à-dire que la concentration du substrat, concentration initiale bien sûr, est largement supérieure à la concentration totale de l'enzyme. Donc la concentration maximale en complexe ES, il est limité par quoi? Par la concentration initiale de l'enzyme et sera donc toujours négligeable comparé à la concentration initiale de substrat, même à saturation de tous les sites actifs. Donc on sait que la concentration du substrat disponible est égale à la concentration du substrat initial, c'est-à-dire la concentration taux 0, moins la concentration du complexe ES. Or, la concentration du complexe ES elle est négligeable face à la concentration initiale du substrat. Donc, la concentration libre du substrat est égale à la concentration initiale du substrat. Alors, ces préalables étant posés, on peut commencer à faire un traitement mathématique simple de la cinétique de la réaction. Donc, on va commencer par la détermination de la constante de Michaelis, de Km. À tout instant t, la vitesse de la réaction V est donnée par. Donc, V, c'est la variation du produit en fonction du temps, est égale à la constante K3 fois la concentration du complexe ES, moins la constante de vitesse K4 fois la concentration de E fois la concentration de P. Alors, nous avons vu que dans les conditions initiales, la réaction retour, elle est négligeable. Dans ce cas, la vitesse initiale de la réaction sera égale à la constante catalytique K3 fois la concentration du complexe ES.
ES est une valeur qui n'est pas fixée par l'expérimentateur et qui ne peut pas être mesurée. Donc, pour avoir une expression utilisable, il faut donc trouver une expression du complexe ES qui utilise des valeurs qui peuvent être connues. Donc, on sait que la variation de la concentration du complexe ES, il est lié aux vitesses des différents actes élémentaires du mécanisme proposé par Michaelis et Menten. Donc, les actes élémentaires 1 et 4 contribuent à la formation du complexe ES, tandis que les actes 3 et 2 contribuent à sa disparition. Donc, cela veut dire que la variation du complexe ES en fonction du temps, ce n'est que la constante de vitesse K1 fois la concentration de l'enzyme fois la concentration du substrat, moins la constante de vitesse K2 fois la concentration du complexe ES, moins la constante de vitesse K3 fois le complexe ES, plus la constante de vitesse K4 fois la concentration de l'enzyme fois la concentration du produit. Alors, d'après les approximations vues précédemment, nous avons dit que la variation du complexe ES en fonction du temps est égale à 0. Donc, nous avons vu que la variation de ce complexe ES en fonction du temps est égale à la constante de vitesse K1 fois la concentration de E fois la concentration de S, moins K2 fois la concentration du complexe ES, moins K3 fois la concentration du complexe ES, plus K4 fois la concentration de l'enzyme fois la concentration du produit. Donc, cela veut dire que tout ça est égal à 0, c'est-à-dire K1 fois E fois S moins K2 fois ES moins K3 fois ES plus K4 fois la concentration de l'enzyme fois la concentration du produit est égal à 0. Alors, puisqu'on néglige, comme on avait dit, hein, la réaction retour, c'est-à-dire K4 fois la concentration de E fois la concentration de P. Donc, on obtient K1 fois la concentration de E fois la concentration de S, moins K2 fois la concentration du complexe ES, moins K3 fois la concentration du complexe ES est égal à 0. Donc, si je mets ES en facteur, donc j'obtiens K1 fois la concentration de E fois la concentration de S, moins la concentration du complexe ES, facteur K2 plus K3 est égal à 0. Donc, si je déplace ce produit-là à l'autre côté de l'égalité, je vais obtenir K1 fois la concentration de E fois la concentration de S est égale à la concentration du complexe ES, facteur de K2 plus K3. Alors, en réarrangeant cette équation, j'obtiens la concentration de E fois la concentration de S divisée par la concentration de ES est égale à la constante de vitesse 2 plus la constante de vitesse 3 divisée par la constante K1, qui est égale à la constante de Michaelis. Donc, la constante de Michaelis, notée Kn, est la constante de dissociation du complexe enzyme-substrat. Alors, Kn est la constante de dissociation du complexe ES. Donc, elle va renseigner sur quoi? Sur la force de liaison entre l'enzyme et le substrat. Alors, vu que c'est une constante de dissociation, donc plus Km est grande, plus le complexe ES sera dissocié. Cela veut dire que l'affinité de l'enzyme pour le substrat est faible. Donc, l'inverse est vrai. Donc, plus Km est petit, plus l'affinité de l'enzyme pour son substrat est grande. Donc, on dit que Km est inversement proportionnel à l'affinité d'une enzyme pour son substrat. Alors, après avoir déterminé la constante de Michaelis, on va déterminer l'équation de Michaelis-Menten. Soit la concentration ET est la concentration totale de l'enzyme, c'est-à-dire la concentration de l'enzyme présente dans le système. Alors, nous avons ET est égal à la concentration de l'enzyme libre plus la concentration de l'enzyme liée, c'est-à-dire la concentration du complexe ES. Donc, la concentration de l'enzyme libre est égale à la concentration de l'enzyme totale moins la concentration du complexe ES. Alors, nous avons vu que la constante de Michaelis est égale à la concentration de l'enzyme fois la concentration du substrat divisée par la concentration du complexe ES. Alors, si je remplace la concentration de l'enzyme par la concentration totale de l'enzyme moins la concentration du complexe ES, donc Km sera égal à la concentration totale de l'enzyme
La concentration du complexe ES fois la concentration du substrat divisé par la concentration du complexe ES. Donc, Km est égal à la concentration totale de l'enzyme fois la concentration du substrat divisé par la concentration du complexe ES moins la concentration du complexe ES fois la concentration du substrat divisé par la concentration du complexe ES. Alors, si je simplifie avec la concentration du complexe ES, je vais obtenir Km plus S. Donc, ici, je déplace S à l'autre côté de l'égalité. Donc, Km plus S serait égal à la concentration totale de l'enzyme fois la concentration du substrat divisé par la concentration du complexe ES. Donc, la concentration du complexe ES est égale à la concentration totale de l'enzyme fois la concentration du substrat divisé par Km plus la concentration du substrat. Alors, on sait que la vitesse initiale est égale à la constante catalytique, c'est-à-dire la constante 3 fois la concentration du complexe ES. Donc, la concentration du complexe ES est égale à VI divisé par la constante de vitesse K3. Alors, si je remplace ES par le rapport VI divisé par K3, donc je vais trouver que VI divisé par K3 est égal à la concentration totale de l'enzyme fois la concentration du substrat divisé par Km plus la concentration du substrat. Donc, d'après l'équation de Michaelis et Menten, donc j'ai la vitesse initiale de la réaction est égale à la constante catalytique fois la concentration totale de l'enzyme fois la concentration du substrat divisé par Km plus la concentration du substrat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la vitesse de la réaction dépend et de la concentration en enzyme totale, et la concentration en substrat, et de la constante de Michaelis. Alors, lorsque toutes les enzymes sont complexées par du substrat, nous avons la concentration totale de l'enzyme est égale à la concentration du complexe ES. Donc, la vitesse initiale pour une réaction donnée, elle est maximale. Donc, VI est égal à Vmax, qui est égal à K3 fois la concentration du complexe ES. Et sachant que la concentration de l'enzyme est égale à la concentration du complexe ES, cela veut dire que la vitesse maximale de la réaction, ce n'est que la constante catalytique fois la concentration totale de l'enzyme. Et d'après l'équation de Michaelis et Menten, nous avons VI est égal à la constante de vitesse K3 fois la concentration totale de l'enzyme fois la concentration du substrat divisé par la constante de Michaelis plus la concentration du substrat. Donc l'équation de Michaelis et Menten peut alors s'écrire de la manière suivante. Donc l'équation de Michaelis et Menten peut alors s'écrire de la manière suivante. Donc j'ai VI est égal à Vmax fois la concentration du substrat divisé par Km plus la concentration du substrat. C'est une équation qu'il faut absolument connaître pour la suite de votre cours. Alors nous avons maintenant VI qui est égal à Vmax fois la concentration du substrat divisé par Km plus la concentration du substrat. Alors, si la vitesse de la réaction est égale à la moitié de la vitesse maximale, alors si je remplace VI par 1/2 Vmax, alors je vais trouver Vmax sur 2 est égal à Vmax fois la concentration du substrat divisé par Km plus S. Donc, si je simplifie avec la vitesse maximale, donc je vais obtenir 1/2 Km plus S est égal à la concentration du substrat. Donc, 1/2 Km plus 1/2 S est égal à la concentration de S. Donc, si je déplace 1/2 S à l'autre côté de l'égalité, je vais obtenir 1/2 Km est égal à S moins 1/2 S. Cela veut dire que Km sur 2 est égal à la concentration du substrat sur 2. Donc, Km est égal à la concentration de substrat. Cela veut dire que Km, la constante de Michaelis, est la concentration du substrat pour laquelle l'enzyme fonctionne à la moitié de sa vitesse maximale. Alors, lorsqu'on trace le phi initial en fonction de la concentration du substrat, eh bien, on obtient une hyperbole. Donc, rappelez-vous, on a déjà vu cette courbe précédemment. Alors, nous avons vu que quand la concentration du substrat tend vers l'infini, donc VI, la vitesse initiale, serait égale à la vitesse maximale. Donc, on peut déterminer comme ça, graphiquement, la vitesse maximale. Et sur l'axe des ordonnées, on peut aussi déterminer la vitesse maximale divisée par 2, ce qui va nous permettre de déterminer la constante de Michaelis.
Prenons maintenant une condition où la concentration initiale du substrat elle est très inférieure à la constante de Michaelis. Donc ici, la concentration du substrat elle est négligeable. Donc, dans ce cas, Km plus S est égal à peu près Km. Alors, si on remplace Km plus S par Km, alors l'équation de Michaelis et Menten se réduit à V initial qui est égal à Vmax fois S divisé par Km plus S serait égal à Vmax fois la concentration du substrat divisé par la constante de Michaelis. Donc, quand la concentration du substrat est très inférieure à la constante de Michaelis, la vitesse initiale est proportionnelle à Vmax divisé par Km fois la concentration du substrat. Alors, considérant le rapport Vmax sur Km comme constante, donc la vitesse initiale de la réaction est donc directement proportionnelle à la concentration du substrat. Quand cette fois-ci, la concentration du substrat est largement supérieure à la constante de Michaelis. Alors, Km plus S est égal à peu près à la concentration du substrat. Alors, si je remplace Km plus S par S, alors l'équation de Michaelis se réduit à, donc GVI est égal à Vmax fois S divisé par Km plus S, serait égal à Vmax fois la concentration de S divisé par la concentration de S. Alors si je simplifie avec la concentration du substrat, donc VI serait à peu près égal à la vitesse maximale. Donc, quand la concentration du substrat est très supérieure à la constante de Michaelis, la vitesse initiale est égale à peu près à la vitesse maximale. Et donc, la vitesse initiale est insensible aux augmentations ultérieures de la concentration de substrat. Si je résume ce qu'on vient de voir, on retiendra les éléments suivants. Alors, la représentation graphique de Michaelis-Menten consiste à tracer le graphique représentant les vitesses initiales en fonction de la concentration du substrat. La variation de la vitesse en fonction de la concentration en substrat est une branche hyperbole. On peut en fait déduire que VI se rapproche asymptotiquement de Vmax lorsque la concentration du substrat augmente. Alors, lorsque la concentration du substrat est égale à la constante de Michaelis, donc la vitesse initiale de la réaction est égale à la Vmax divisée par 2. On peut donc déterminer Vmax et par la suite déterminer la constante de Michaelis Km. Quand la concentration du substrat est très supérieure à la constante de Michaelis, donc la vitesse initiale de la réaction est maximale. Alors quand la concentration du substrat cette fois-ci est inférieure à la constante de Michaelis, alors VI, la vitesse initiale, est proportionnelle à la concentration du substrat multipliée par Vmax divisé par Km. Alors comme on vient de voir, on peut à partir de la représentation graphique de Michaelis et Menten déterminer la vitesse maximale Vmax et la constante de Michaelis Km. Mais en fait, et comme vous pouvez remarquer d'ailleurs, la détermination graphique de Vmax et de Km requiert souvent de fortes concentrations de substrat pour atteindre les conditions saturantes qui sont généralement impraticables. Donc, même si on utilise une concentration du substrat qui est 10 fois supérieure à la constante de Michaelis, pour bien évidemment obtenir la Vmax, on n'aura que 90% de la vitesse maximale. Donc, avec cette représentation graphique, il est très difficile d'obtenir la Vmax. Et bien sûr, s'il est difficile d'obtenir la Vmax, il sera aussi très difficile de déterminer la constante de Michaelis avec exactitude. Donc, une représentation linéaire de l'équation de Michaelis permet de contourner ces difficultés et d'extrapoler les valeurs de vitesse maximale et de constante de Michaelis à partir de vitesse initiale de réaction mesurée dans des conditions de concentration en substrat inférieures à la saturation. La première représentation qu'on va étudier est la représentation de Lineweaver-Burk, qu'on appelle également la représentation en double inverse. Alors si on reprend l'équation de Michaelis et Menten, donc vous avez VI est égal à Vmax fois la concentration de S divisé par Km plus la concentration de S. Donc il suffit de représenter l'inverse de cette équation. Alors 1 sur VI est égal à Km plus la concentration du substrat divisé par Vmax fois la concentration du substrat. Alors en restructurant un petit peu cette équation, on va obtenir
1 sur VI est égal à Km divisé par Vmax fois l'inverse de la concentration du substrat plus la concentration du substrat divisé par Vmax fois l'inverse de la concentration du substrat. Donc ici, on peut simplifier avec la concentration du substrat. Donc en réarrangeant cette équation, on va obtenir que 1 sur VI est égal à Km divisé par Vmax fois 1 sur la concentration du substrat plus l'inverse de la vitesse maximale. Alors, cette équation représente l'équation d'une droite y égale à x plus b. La pente Km sur Vmax et l'ordonnée à l'origine est égale à 1 sur Vmax. Alors, si on trace 1 sur VI en fonction de 1 sur S, on va obtenir une droite. Donc, la pente de la droite est Km divisé par Vmax et l'ordonnée à l'origine est 1 sur Vmax. Donc, si 1 sur S est égal à 0, donc, selon l'équation de Lineweaver-Burr, j'ai 1 sur VI est égal à Km divisé par Vmax fois 1 sur S qui est égal ici à 0 plus 1 sur Vmax. Donc, 1 sur VI serait égal à 1 sur Vmax. Maintenant, si on fixe 1 sur VI est égal à 0, on va se retrouver avec l'équation 0 est égal à Km sur Vmax multiplié par l'inverse de la concentration du substrat plus l'inverse de la Vmax. Donc, moins 1 sur Vmax est égal à Km sur Vmax fois l'inverse de la concentration du substrat. Alors, si je déplace Km sur Vmax à l'autre côté de l'égalité, je vais obtenir moins 1 sur Vmax fois Vmax sur Km est égal à l'inverse de la concentration du substrat. Si je simplifie avec la vitesse maximale, je vais obtenir moins 1 sur Km est égal à 1 sur S. Alors, quand 1 sur VI est égal à 0, 1 sur S est égal à moins 1 sur Km. En récapitulant, la représentation graphique des doubles inverses permet une détermination plus précise de Vmax et Km. Alors, la droite coupe l'axe des ordonnées en un seul point qui correspond à 1 sur Vmax et coupe l'axe des abscisses au point correspond à moins 1 sur Km. De plus, étant une droite, elle nécessite moins de points expérimentaux. Il existe une autre représentation qui est la linéarisation selon Hensworth qui consiste à tracer S sur VI en fonction de la concentration du substrat. Alors, si on part de l'équation de Lineweaver, donc nous avons 1 sur VI est égal à Km sur Vmax multiplié par l'inverse de la concentration du substrat plus l'inverse de la vitesse maximale. Alors, il suffit de tout multiplier par S. Et on va obtenir S sur VI est égal à Km divisé par Vmax fois la concentration du substrat divisé par la concentration du substrat plus la concentration du substrat divisé par Vmax. Alors ici, je vais simplifier avec la concentration du substrat. Donc, je vais obtenir la concentration du substrat divisé par VI est égal à Km divisé par Vmax plus la concentration du substrat divisé par Vmax. Alors, en remaniant un petit peu l'équation, on va obtenir S sur VI est égal à 1 sur Vmax multiplié par la concentration du substrat plus Km divisé par Vmax. Alors, de nouveau, on obtient une équation d'une droite avec 1 sur Vmax, la pente de la droite, et Km sur Vmax, l'ordonnée à l'origine. Alors, si on trace S sur VI en fonction de la concentration du substrat, on va pouvoir déterminer facilement la constante de Michaelis. Alors, rappelez-vous que la pente est égale à 1 sur Vmax. Alors, si S sur VI est égal à 0, eh bien, la concentration du substrat serait égale à moins Km. Donc, on pourra déterminer facilement la constante de Michaelis et la vitesse maximale de la réaction. Alors, la dernière représentation linéaire qu'on va étudier est la linéarisation d'Eddy-Hofsty, qui consiste à tracer, cette fois-ci, VI en fonction de VI sur S. Alors, si on part de l'équation de Michaelis et Menten, alors nous avons VI est égal à Vmax fois la concentration de S divisé par Km plus la concentration du substrat. Alors, il suffit d'inverser et de multiplier avec Vmax. Alors, si on inverse l'équation de Michaelis et Menten, on va obtenir 1 sur VI est égal à Km plus S divisé par Vmax fois S. En multipliant avec Vmax, on va obtenir Vmax sur VI est égal à Vmax facteur de Km plus S divisé par Vmax fois S.
Alors on simplifie avec Vmax et on déplace Vi à l'autre côté de l'égalité. On obtient Vmax est égal Km plus la concentration du substrat divisé par la concentration du substrat multiplié par Vi. Donc Vmax est égal à Vi fois la constante de Michaelis divisé par S plus Vi fois la concentration du substrat divisé par la concentration du substrat. Alors on simplifie avec la concentration du substrat, on va obtenir que Vmax est égal à Vi fois Km divisé par la concentration du substrat plus Vi. Alors en isolant Vi, on va obtenir Vi est égal à moins Km multiplié par Vi sur S plus Vmax. Donc l'équation de Eddy-Hofsty est une droite avec moins Km et la pente de la droite et Vmax est l'ordonnée à l'origine. Alors si on trace Vi en fonction de Vi divisé par S, on va pouvoir déterminer facilement Vmax et Km. Alors vous avez ici moins Km et la pente de la droite et Vmax est l'ordonnée à l'origine. Alors regardez, quand Vi sur S est égal à 0, la vitesse initiale serait égale à la vitesse maximale. Alors si on réalise un tableau bilan des différentes représentations linéaires que nous avons étudiées, alors on a trois représentations graphiques. On a la représentation de Lineweaver-Burk, c'est la représentation des doubles inverses, qui consiste à représenter 1 sur Vi en fonction de 1 sur S. C'est la représentation la plus classique. La deuxième représentation est celle de Hans-Wolff, qui consiste à tracer S sur Vi en fonction de la concentration du substrat. Et enfin, la représentation d'Eddy-Hofsty, qui consiste à tracer cette fois-ci la vitesse initiale en fonction de la vitesse initiale divisée par la concentration du substrat. À chaque fois, on va avoir une équation qui va nous permettre de déterminer, comme nous avons vu, facilement la constante de Michaelis et la vitesse maximale de la réaction.